Abonne-toi à MySports. Mais là, il ne semblait pas être aussi à l'aise qu'un attaquant, on va dire, pour finaliser. Simeone qui laisse Hoffman, le tir d'Hoffman est goal! Et c'est l'ouverture du score ici du côté de la Boxart Arena. Ah, c'est très bien joué parce que c'était un jeu qui a été capable de cacher jusqu'à la dernière seconde, fraction de seconde. On voit que Kovar, il ne voit pas le tir partir de la palette d'Hoffman. 33 minutes, 55 secondes, Hoffman pour le 1-0 sur une passe lumineuse de Simeone. D'abord, je pensais que Simeone allait aller peut-être tout seul affronter Giannoni. Ouais, en tout cas, tenter un tir et puis il lui donne au dernier moment là. Ces petits jeux de chassé-croisé, là, il faut vraiment qu'il soit bien. Déjà, cette passe, elle est parfaite, il peut la prendre en vitesse. Et puis, il la laisse sur place finalement. Boum, une petite passe en retrait, puis il y a peine une réception. C'est un tir direct sur la réception de la passe, on va dire. Et puis, Kovar n'est pas nécessairement bien. Sender, il y a Herzog qui va aller devant le but. La reprise d'Herzog est goal! Et c'est le deuxième pour Zug. 36 minutes et 44 secondes. Herzog pour le 2-0. Gary, on l'a vu arriver dans le slot avant les Zurichois, Herzog. Oui, effectivement, c'est très bien joué parce que le timing, comme on dit, il est parfait. Et il n'arrive pas au moment de se faire attendre puis se faire marquer par le défenseur. Il arrive juste au moment d'avoir une ouverture, une ligne de passe qui s'ouvre. Et c'est bien joué pendant que Blattisberger essayait de tenir en échec le porteur de la rondelle. Mais si on n'arrive pas à couper la ligne de passe avec sa canne, eh bien, on voit ici le jeu de transition. Là, on va rentrer avec la vitesse et puis Blattisberger doit jouer stick on puck. Il doit absolument être capable de garder beaucoup plus de être beaucoup moins distant. Et là, il le perd sous son pivot. Et c'était déjà télégraphié. Et puis Noro se compromet un peu vite plutôt que rester au premier poteau et attendre pour l'amener en angle. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est vrai qu'il faut être patient, mais ça va tellement. Bon, il y a le travail de Pedretti là devant Giannoni, Andrighetto qui ne peut pas tirer. Noro, lui, il tente la chance et goal! Oh, quel but de Maxime Noro! Qui inscrit là son troisième des playoffs, son 11e point. Et Zurich a marqué avant la 10e minute, Gary. Oui, c'est important. C'est le deuxième power play de la période. Et puis, le premier n'a pas donné de grosse chance. Et si Zurich loupait celui-là, je pense qu'ils auraient été mal pour revenir dans le match. C'est un bon tir de Noro. Je pense qu'on a pu masquer un peu Giannoni avec de la présence devant le filet. Elle veut pas avec autant de monde. Les défenseurs zougois, même eux, peuvent nuire à leur gardien de but. Et là, c'est Pedretti qui est devant lui pendant qu'il y a cette ligne de passe qui s'ouvre et puis au moment du tir, Marco se retire un petit peu. Est-ce que c'est dévié par Pedretti? Il prend un peu le... Bodenman. Marty. Marty, le tir sur réception, goal! Oh, c'est l'égalisation zurichoise! À 6 contre 5, 58 minutes et 31 secondes de jeu. Alors Hoffman qui va vers l'arbitre, est-ce qu'il y aura un coach challenge? Ouais, bon, si on regarde nous rapidement, je pense qu'il n'y a pas du tout raison d'avoir un coach challenge. Blattisberger est quand même devant, alors est-ce qu'il nuit au gardien? Oui, il cache la vue au gardien, mais disons que c'était très bien joué de la part de Zurich d'amener, c'était Azevedo le long de la bande qui a stoppé le dégagement. Alors ça, comme je disais, souvent on exécute ça du côté de Zurich, on sort durant l'action, mais on n'a pas nécessairement besoin de face-off offensif. C'est très bien joué ici d'Azevedo qui prend son temps. Et voilà. Il n'y a pas de Zug. Ouais, c'est la vidéo. La vidéo. Monsieur Tchérig qui a fait signe vidéo. Alors on rappelle que là, Gary, tu m'arrêtes si je me trompe. Non, mais c'est. Si le but est validé, Zug se retrouve à 4. Effectivement. Mais et maintenant, c'est risqué, faut voir s'il va voir sur un coach challenge. Et voilà, c'est un coach challenge, effectivement. Et Tchérig. À mon avis, on va avoir 2 minutes du côté de Zug. Alors, je ne sais pas si chez vous, vous avez entendu la discussion des arbitres. Ici, on ne l'a pas entendu dans le casque. Et le but est validé. Le but. Malguin, pressé par Kovar. Là, bon jeu de Kovar. Il y a quelqu'un dans le slot à reprise. Oh, il rate. C'est Simeone qui rate ça, Gary. Le public était déjà debout ici. Ah, ça a été un scénario juste incroyable parce que... Le but à 4 contre 5, là! Le but à 4 contre 5 à ce moment-là. Et encore une fois, derrière la cage, on s'en mêle les pinceaux un peu. Je pense que on est un petit peu aussi dans les émotions. Et puis, on ne sait pas si vraiment... Comment c'est possible? Je crois qu'il l'arrête, il lui touche.
Azevedo qui tombe, la reprise peut-être, ou est-ce pas qu'il est à côté? Pedretti. Pedretti qui a voulu remettre dans le slot, Andri Ghetto. De l'autre côté, c'est pas mal joué sur la déviation, et goal! À 2 secondes! Zurich qui marque à 2 secondes de la fin! Quel scénario! À hein. 5 contre 4! Et voilà. Gary, c'est incroyable, troisième tiers. C'est incroyable, et c'est surtout que ça aurait pu être Zou qui s'en va avec la victoire avec un but à 4 contre 5. Et finalement, c'est l'expérience, c'est le talent qui paye Zurich, parce qu'ils ont tellement été patients sur cette situation-là de mettre la rondelle en retrait, la petite passe de plus. Et voilà, quoi. C'est Zouk s'est brûlé les mains, on a vu dans le début de la période des difficultés dans le commencer la période. Et puis à la fin, ben voilà, c'est ici, est-ce que regarde la patience, la petite passe de plus, puis encore la passe à travers. Mais. Et il la touche, Giannoni. Ouais. Et Gary, on disait, Azevedo, on ne l'a pas vu. Eh ben, ouais, il marque le game winning goal. Il est là. Il a fait une troisième période, parce que c'est lui qui prépare le but à 6 contre 5. Et...